Bravo Vincent, une course menée quasiment de bout en bout, vous avez géré, on a l'impression que c'était facile. Facile je sais pas, mais en tout cas ouais, j'étais content de me retrouver direct aux avant-postes, de pouvoir dès la natation un peu me mettre hors de danger, parce que la première boue était très proche, donc il fallait prendre un bon départ. Je suis pas un grand fan des natations avec combi, mais du coup pour moi ça s'est bien goupillé. Et dès le début du vélo, on s'est retrouvé un groupe devant qui s'est amenuisé au fur et à mesure des tours, mais on a bien travaillé tous ensemble. Moi personnellement, les premiers tours, j'étais un peu rupteur, donc je me suis un peu caché. Mais ensuite, voilà, j'ai fait ma part du boulot et à pied, à partir du moment où je suis parti à pied, je savais que je jouais pour un podium parce que je me sentais vraiment super fort et frais. Et donc voilà, c'était quand même à moi de mener la course en tant que champion du monde en titre et d'essayer de pousser un peu les autres. Et en tout cas, moi je suis super content que Léo soit resté avec moi jusqu'au bout et qu'il décroche ce podium. Ça montre aussi que l'équipe de France est ultra forte malgré cette année un peu bizarre finalement. Vous participerez pas au relais demain, mais l'équipe de France est là quoi. Oui, c'est clair. Moi, quand j'ai annoncé que je participerais pas au relais, tout le monde me demandait pourquoi. Et j'ai dit, mais ils ont pas besoin de moi. Hein. C'est Léo, il fait 3e. Dorian, il doit faire dans les 15 premiers facilement. Et on a Pierre juste derrière. Donc c'est voilà, ils ont pas besoin de moi. Franchement, ils vont. Ils montent. Ils sont plus jeunes que moi. Je suis un peu l'aîné. Enfin, je suis l'aîné carrément, même 31 ans. Donc. Voilà, je suis content pour la France, je suis content surtout pour les jeunes parce que c'est des bosseurs et moi c'est un truc que j'ai toujours respecté, c'est le travail bien fait et voilà, ils sont récompensés donc c'est top et on a une équipe de France qui est dynamique, qui en veut et des gars qui se laissent pas abattre malgré la période difficile quoi. Justement, la préparation a été super difficile, on savait pas trop quand ça allait se passer, si ça allait se passer, finalement c'est des championnats du monde. Est-ce que ça vous donne aussi une idée de comment vous allez vous préparer pour Tokyo l'année prochaine? Ça valide des choses? C'est clair qu'avec cette course en one shot qu'on a appris il y a 2 semaines, c'était un petit peu sauf qui peut à la fin, mais moi j'ai eu la chance vraiment d'avoir mis cette course comme objectif presque numéro 1 dans mon calendrier parce que c'était la seule qui, à mon sens, avait une chance d'avoir lieu. Donc je suis parti en altitude il y a 6 semaines à Font-Romeu, je me suis mis dans des conditions un peu spartiates et pour vraiment voilà, être coupé de tout ce qui se faisait autour, du bruit, de ce que les gens ils pouvaient faire à l'entraînement, etc. Et je me suis entraîné très dur pendant 6 semaines. Je suis redescendu au dernier moment, j'ai pris l'avion avant-hier pour venir ici. Et voilà, je savais que j'étais fort, que j'étais très très fort. Maintenant, 40 minutes, 45 minutes de course, tout peut arriver. Et il fallait mettre toutes les chances de son côté, c'est ce que j'ai fait. Mais en tout cas, voilà, dès que la course est partie, qu'on avait fait 10 mètres, je savais que c'était une belle journée, quoi. Merci beaucoup. Merci. Bravo.